C'est à l'issue d'une information anonyme parvenue récemment au comité de veille présidé par le préfet de région, préfet d'Odienné, que celui-ci a organisé une patrouille mixte récemment. La patrouille composée d'agents de force de l'ordre et d'agents de la santé a saisi 50 kg de viande de brousse dans un maquis. Pour le préfet Michel Amani Yao, l'incinération du stock saisi est un message fort à l'endroit de ceux qui s'entêtent toujours à commercialiser ou à consommer de la viande de brousse malgré l'interdiction formelle du gouvernement. Pour le préfet de région d'Odienné, ces personnes doivent comprendre qu'ils veillent au grain et qu'il va faire respecter les mesures préventives arrêtées par le gouvernement ivoirien pour prévenir la propagation du virus d'Ebola en Côte d'Ivoire. Michel Yao Amani, préfet d'Odienné et le directeur départemental de la santé, ont expliqué comment l'opération a été menée et ont lancé un message à la population. La lutte contre la fièvre d'Ebola continue. On ne doit pas badiner avec les institutions du gouvernement. Nous-mêmes, au plan local, on a pris un arrêté portant interdiction de la chasse. D'être vigilant, de ne pas baisser la garde, de toujours surveiller.